Dans cette vidéo, je vais tester le voice chat Roblox. Mais Enzo, mais c'est quoi le voice chat? Le voice chat, c'est une fonctionnalité disponible sur Roblox qui vous permet tout simplement de communiquer avec les autres joueurs. Bien sûr, à l'aide d'un micro. Et sincèrement, je pense qu'il y a moyen de faire des dingueries là. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et de bien sûr mettre le pouce bleu. Objectif, 8000 pouces bleus pour une partie 2. Je compte sur vous, je sais qu'on peut le faire. Voice chat francophone. Hein? Attends, t'es en train de me dire là? Zarma, ça c'est un serveur français, là je vais tomber que sur des français. C'est une dinguerie, wesh. Mais non, frère. Non, mais Théma, comment je suis sapé, frérot? Oh non, j'avais oublié mon skin, wesh. Et est-ce qu'on peut dire je suis sapé comme jamais? Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, j'ai un petit micro au-dessus de mon personnage. Salut! Attends, salut. M'entends-tu? Ah, tu m'as entendu? Oui! Ah, ça marche! Mais oui, tu m'entends bien là? Mais oui, je t'entends! Oh, mais wesh, la dinguerie! Eh, il est bien serveur, il est bien ce jeu là! Ouais, pour les Français! Eh, ouais, c'est ça, il y a que des Français là! Ouais! Putain! Ouais! En vrai, avant qu'ils se mettent à parler français, je pensais que c'était rigolo! Il y a des gens qui discutent, vous pouvez pas la fermer là! Vas-y, venez, on va discuter un peu autre part là! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre peut-être? Nique ta mère! Oh! Mais qui joue à quoi les gens? Imaginez que ta mère là. Moi, je suis vexé, frère. Je sais pas comment je suis censé ne pas entendre. Je sais pas comment je suis censé ne pas entendre. Mais bien ta mère, on t'a même entendu. Mais bouffe ta mère, t'as le fils de bouffe. Tu veux quoi en fait? Wesh! Déjà ça vole. Elle m'a déjà trompé. Vraiment. Vas-y, là c'est et bon. Et toi, Kassoua, je sais pas t'es qui, mais. Ah, mais bonjour! Bonjour, salut. Bonjour. Vous étiez là depuis le début? C'est qui? Depuis le début? Je sais pas, je me connais pas. Depuis le début, oui. Ah ouais. Et Enzo, t'as une voix de doubleur. Vraiment? Mais je sais pas. On dirait que tu viens d'un dessin animé. Je suis censé le prendre comme ça. Oui. Bah c'est bien. Bah bien, ah je le prends bien. J'ai un peu la voix de Mastu. Bah. Vraiment, attends, parle. De Mastu? Masturbation, mais pas Mastu. Hein. Mais... Moi on me dit tout le temps, j'ai la voix de Michou. Yo les petits potes, c'est Michou. Oui. Il a trop la voix. C'est moi les petits potes. Ouais, c'est bien. Toujours ta grosse bite là. Hey, parle-moi le bien, wesh. Sale p*** des haches. Tu veux quoi? T'as vu, il peut faire des doublages. Tu prends la vie comme ça, toi, mon frère. Non, pardon, c'est ta meuf. Change, hein. Oui. Vraiment, change. Vraiment, change. C'est juste pour toi, je te le dis. Mais t'es qui pour juger, en vrai? Non, merde. Non, j'avoue, je suis qui pour juger. Je suis dégoûté. Même la Porsche a fait de. Excuse-toi, s'il te plaît. Parce que tu la connais pas personnellement, pour le dire. Je vous excuse. Enfin, vous m'excusez. Excusez-moi. Excusez-le, moi. Là, moi, là, l'excuse. Tu l'excuses à moi? Mais attends. Non. Attends, toi, attends, toi tu m'excuses. Ou je vous excuse non. À vous? Non, tu dois excuser. Tu dois excuser. C'est toi qui as fait la connerie, c'est pas nous qui avons fait la connerie. C'est pas logique. Mais dis coucou. Ah, j'avoue. Du coup, je dis quoi? Si vous m'excusez, moi. Ah, mais attends. C'est pas toi que les meufs, tes potes, ils m'ont parlé là? Bah, c'est ils m'ont parlé de toi, ils m'ont dit qu'ils te kiffaient grave. Qui? Elle te kiffait grave. Qui? Bah, les meufs là avec les tétés là, là. Elle me kiffe bien, elle me kiffe bien, ok. Oh, mais toi, t'es. Non, c'est pas comme ça qu'on a mort, hein. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est. C'est excusez-moi. Mademoiselle, passe. Excusez-moi de vous déranger. Ah, excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi de vous déranger. Voilà. T'as un snap? Non, mon ref, tranquille. Mon ref. Non, c'est pas ça, non, t'as quel âge? T'as quel âge? Ouais, mais faut demander ça, imagine, je suis une Zucari 78, frère. J'ai 9 ans. Non, moi j'ai 9 ans. Non, t'as 9 ans! Salut les petits potes, j'espère que vous avez les crampes T. On m'a dit qu'Enzo il est en GAV profi. Omer, c'est toi? Ouais, c'est moi. Non, s'il te plaît, fais-moi opunaise. Opunaise. Non, c'est toi? Ouais, c'est moi. Dis, miam, qu'est-ce qu'il est bon ce donut? Qu'il est bon ce donut sucré au sucre. Non, non, en fait c'est pas toi. Non, c'est pas toi, frère, t'as pas la même voix. J'ai juré, c'est moi, je suis Omer. T'es quoi? Je suis Omerde. Oh merde, moi je te fais barge, c'est marge, mais sauf que marge elle est malade. Donc du coup c'est barge. Ouais. Okay, écoute, je te fais marge. Oh merde. J'ai parié en forme super beaucoup plein. Eh hey, mais vous voulez quoi vous là? Bon ça va la team? Ouais. Allez, ça c'est ban. Hop. Moi je suis ban. Forcément lui il va être ban. Ban, rien à foutre. Allez, bon appétit, tu diras au revoir à ta famille. Ouais, bon appétit. Non! Pourquoi? Ah! School RP FR. Eh, c'est trop, frère. C'est trop.
c'est trop. Mais qui est le génie? Qui est le génie qui a eu l'idée de se dire, viens, je fais du school RP, mais sur Roblox. Mais non, je suis sur la school RP là. Oh la dinguerie, wesh. Salut. Salut. Yo. Ça va bien, Lorenzo? Attends, mais t'as volé mon masque. Ouais, toi. Oh putain. Oh, le lycée de dégénéré. Eh, c'est sûr, là-dedans, il n'y a que des fous. Ah, je préfère le dire maintenant, il n'y a que des fous là-dedans. Salut. Oui. Ah, vous êtes infirmier? Ouais, et ah, mais, pas cours, je dois parler seulement à madame l'infirmière. Venez, madame l'infirmière, c'est super grave. Venez vite, venez vite. Je viens avec elle parce que je suis quelqu'un d'important pour elle. Moi, que je suis chauvin. Ah bon? Mais je suis son soutien moral. Moral? Ouais mais non. Non, il vient avec toi. Si tu fais des trucs bizarres, t'es dans la merde. Mais je m'en fiche, je vais pas faire des trucs bizarres. Avec, mais non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous dites? Allez, viens avec moi. Madame l'infirmière, je fais vraiment pas bien, il faut vraiment que j'aille me faire soigner. Ah, merci beaucoup, madame l'infirmière, vous êtes vraiment aimable. Mais il fait quoi, lui? Bah, il fait quoi avec nous, ce gueulement? C'est mon boulot aussi, je suis infirmier. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai mal au cœur, madame, je crois que je suis piqué. Par qui? Mais je viens de le dire, là. Ah, tu veux. Mais je suis déstabilisé, que... faut qu'il parte, lui. T'as un problème? Tu veux que je te déglingue? Parce que. Elle est déjà avec. Elle connaît déjà quelqu'un? Non. Elle a déjà quelqu'un dans sa vie? Tu vois. Mais on s'en fiche, c'est un rendez-vous infirmier. Voilà, on s'en fiche. Il veut te pécho. Viens pas te plaindre s'il veut te pécho. Ouais, effectivement, mais. Non, madame, j'ai trop mal au cœur. Je suis piqué par vous, madame, c'est pour ça. Que vous me soignez. Madame, faites-moi confiance. Caché. Non, mais il est encore là. Il a pris sous la table. Mais il fait quoi sous la table? Et lui, il fait quoi là? Mais je t'ai vu, il va pas me pécho, allez, partout. Ouais, je vais pas la pécho, hein. Punaise. En fait, il est jaloux. Ah, il est jaloux. C'est normal, en même temps, je suis tellement beau. Mais je pense pas que ses sentiments sont égaux au mien. Madame, je suis piqué par vous, vous êtes trop belle. Ah, merci beaucoup. Non, venez, madame. Je pense que pour me soigner, venez, on se met en couple. Il faut qu'on officialise notre couple. Quoi? Faites la choquer, vous le savez. Non, me dis pas, il est encore mais là. Mais... La calotte de ses morts, sors de là. Mais comment ça? Comment ça? Mais je veux sortir avec l'infirmière, c'est tout. Posez pas de questions. Mais pourquoi? Eh, me parle pas d'âge. Ouais, tu me parles pas d'âge. Bah si. Du coup, bah si. Vous avez quel âge, madame l'infirmière? J'ai 22 ans. Ça va, j'ai 12. Vas-y, un 2 de plus et ça fait 22. Ça, là, c'est la même. C'est la même, wesh. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, vous me parlez pas d'âge. Bon, bah c'est super, alors nous sommes en couple. Bon, je vais le dire à tout le monde, hein. Hein? Je suis en couple avec l'infirmière. Je suis en couple avec l'infirmière. J'ai pécho l'infirmière. Elle est où? Elle est là, mais je suis en couple avec. C'est faux ça, tu veux te battre? Tu veux te battre? Eh, j'ai encore plein d'aides d'infirmières. Mais non, mais j'ai jamais dit oui. Elle a dit oui en plus, frère. Il est en train de dire ça dans tout le bâtiment. Et même son pote, il a servi témoin. Je suis pas son pote, je suis déjà quelqu'un. Je suis pas son pote, je suis quelqu'un de plus important. Ah, t'es son meilleur pote? Mais ah c'est ouais, super c'est bien, allez c'est parti. Je suis en couple avec l'infirmière. Eh, je suis en couple avec l'infirmière. Oui, c'est pas ce que je voulais dire au début, hein. Non! Tu as été mis en heure de colle. Mais putain, mais... Non, il y a un surveillant qui m'a mis dans une heure de colle parce que je l'ai insulté. Mais je suis en couple avec l'infirmière, faut que j'aille la voir. Je te jure, c'est vrai, appelle-la, faut qu'elle vienne. Oh, je vais aller faire des trucs, Allez, merci beaucoup, Cubis. Oh, toi, Mehmet, l'infirmier, ouais. Ça va? Bien dehors. Alias le meilleur ami de ma petite copine. Non, je suis son homme, je suis son mari. Non, elle t'a trompé. Mais Balek, elle m'a trompé avec moi. Non, elle t'a pas... Non, mais elle veut pas de toi, t'as pas compris? Tu veux... Non, me dis pas ça. Tu veux que je te remette les idées en clair? Dis pas ça, que je te frappe pour que ça aille mieux? Non, par contre, mets-moi une patate, hein, frérot, je te couche au sol. J'ai 12 ans, mais moi, je sais me battre. Hein. Tu veux qu'on se donne un rendez-vous IRL, on se tabasse? Ouais, non, ça m'intéresse. IRL, par contre, j'ai 18 ans. Mais t'es pas au film, mec. Mais non, pourquoi? Elle a 13. IRL? Oui. Bon, madame l'infirmière, soyez bien en couple avec Med, hein. Allez, faites des... Ouais, comment ça, 13? Qu'est-ce que c'est? Mais elle fait peur, hein. Bonjour, madame, là, c'est... Qui a dit ça? Mais non, on t'a... Non, elle t'a filé ça comme... Qui a dit ça? Elle fait trop peur, ouais. C'est qui a dit ça? Je le balance, c'est Enzo. Mais c'est même pas moi. Enzo dans mon bureau. Enzo dans mon bureau. Non. Let's go, je suis sous le bureau. Monsieur le concierge, vous allez bien? Est-ce que je t'autorise à parler? Non. Alors, qui c'est qui a dit entre Greg et toi que je faisais peur? C'est quoi les conséquences? Je veux pas pour mes amis en fait. Je te pose pas de questions, je te demande... Ah bah c'est du coup. Ta gueule. Ok. Je te demande juste de répondre. Enzo? Vous êtes jolie, madame, c'est aujourd'hui. C'est Greg. Alors, Greg c'est qui? Greg c'est qui?
Vous pouvez me décrire comment elle est vestimentairement? Vestimentairement, je ne sais pas. Je pense qu'il est habillé comme vous. Moi parce non qu'il plus. A l'uniforme, il me semble, je suis pas sûre. Ah ouais, c'est pas... Il a un bob. Un bob, voilà. C'est pas grand-chose, ça. D'accord, donc ça veut dire que c'est Greg. C'est bon, tu peux sortir, je vais aller... Ouais, c'est Greg. Ah oui, attendez. Et voilà. Je me suis fait cramer. Pourquoi? Madame Lafermière. Ah, bonjour, monsieur. Comment? Je vous cherchais depuis tout à l'heure. Ça fait très longtemps. Ah, pardon. On peut aller à l'infirmerie? Pour me faire soigner du coup? Est-ce que je peux aller à l'infirmerie pour me faire soigner? Ah, vous êtes là maintenant? Oui. Super. Viens. Alors, ce qui m'arrive madame, c'est que j'ai depuis là, quelques minutes, j'ai des douleurs au cœur. C'est depuis d'ailleurs que je vous ai vu. D'accord. Donc ça vous fait quoi? Ça vous fait des pointes? Ça fait quoi? Je sais pas comment décrire. Ça fait comme si ça le compressait. Comment? Je sais pas comment je pourrais décrire ça, mais je l'ai lu dans un livre, apparemment ça s'appelle l'amour. C'est le coup de foudre. Je vous jure, j'ai vu, tenez. C'est écrit dans le livre. Ah oui. Ouais. Oui. Ça c'est quand vous êtes ouais. Oui, je disais madame, je suis tombé amoureux de vous. C'est comme ça, c'est ça se contrôle pas. Je suis tombé d'accord. Sous votre charme, c'est donc vous voulez du sucre? Non, pour apaiser mes douleurs, je pense qu'on devrait peut-être se mettre en couple ou... Veuillez sortir s'il vous plaît. Non. Je passe au suivant. Mais vous avez pas répondu à... Oui, mais je vais réfléchir, allez-y. Attendez, viens, on sera en couple. Les gars, c'est quoi que vous voulez? Ouais, on sera en couple bientôt, c'est ma prochaine meuf.